Bonsoir à toi, curieux du devenir de l'humanité. Ce message s'adresse directement à la partie de vous qui est derrière la forme, qui sait tout et qui ne croit à rien. Et non à votre intellect et au mental ego, qui croit en tout et qui ne sait rien. Toutes les réponses à vos questions et interrogations sont déjà en vous. N'essayez pas de comprendre ce qui ne peut être compris par l'intellect, le mental. Je ne suis pas un tuyau, mais le feu et l'eau qui descendent en haut et qui vient nettoyer le jardin terrestre avec un karcher supramental céleste. Sachez que nous allons effectuer le grand ménage sur Terre et faire la grande vidange du plan astral. Et vous risquez de tomber de très 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 haut et de vous retrouver le nez dans la merdasse. Utilisez votre discernement et votre sens de discrimination si vous avez encore un esprit. N'avalez jamais, jamais, jamais tout ce qui se dit. Mais prenez seulement ce qui pourra vous faire avancer. Nous sommes un peu comme des chauffeurs-livreurs universels qui viennent remplir les magasins à l'échelle planétaire et universelle. Après, chacun prend selon ses capacités vibratoires et fait sa cuisine. Je n'invite personne à me suivre aveuglément, mais vous conseille de créer votre propre opinion entre ce qui se trouve dans ces pages et sur les sites mis en lien et ce que les médias dits traditionnels vous inculquent. Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains. Que l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette chaîne formée librement par nous les Anonymous. Cette chaîne nous lie, dans le temps comme dans l'espace, elle nous vient du passé. Et tant vers l'avenir, promettons de conserver les uns pour les autres la plus fraternelle affection et de travailler sans relâche à l'avènement de la fraternité universelle. Citoyens du monde, nous sommes Anonymous. Pour plus de vous, nous sommes des pirates informatiques. Pour vos gouvernements, nous sommes une organisation terroriste. Pour les entreprises, nous sommes infiltrés et signes avant-coureurs de la justice impitoyable aux méchants. Pour beaucoup encore, la quintessence de Anonyme est inconnue. Il y a un vrai sens d'être, Anonymous, un sens qui a été oublié par tous, mais quelques-uns. Pour être Anonymous vient du cœur. Pour être Anonyme est œuvrer pour un monde meilleur, qui s'épanouit dans la paix et la prospérité pour tous. Pour être Anonyme est d'être un agent de la vérité et de la justice dans un monde de ténèbres, de poursuivre activement ceux qui entachent l'harmonie de l'humanité et de les mettre en lumière. Pour être Anonyme et d'être un guerrier de la justice et de la justice, Anonymous n'est pas plus qu'une idée. Il n'est plus qu'un murmure sur les lèvres de jeunes révolutionnaires et des anciens sages à travers le monde. Anonymous est une idéologie fondamentalement basée sur les principes de pas plus de vérité, de justice et d'égalité. Les cœurs des hommes pompent cupidité dans leurs veines. Nous avons aussi le collectif humain, où viole cette belle terre de sa vie, la prospérité et les ressources. Nous avons mis en place un système de distribution inégale du pouvoir appelé le système monétaire, qui alimente les désirs incessants de certains hommes d'exercer un pouvoir sur ceux qui, autrement, seraient leurs égaux. Nous avons pris les vies de d'autres dans d'innombrables guerres, pour nos propres poursuites égoïstes, et jeté de l'autre dans la pauvreté et l'esclavage. Anonymous est une idée. Il s'agit d'une bannière sous laquelle l'honnête et la justice, recherche du monde, peut se rallier. Une bannière qui fait peur dans le cœur des politiciens corrompus et des agents du gouvernement, et remplit les cœurs des révolutionnaires avec une vigueur sans précédent, alimentant leur désir d'un monde meilleur et à leur inculquer la foi dans leur cœur. Citoyens du monde, Anonymous n'est pas une société de l'underground hacké. Ce n'est pas un secret que collective rejoint par ceux qui sont jugés dignes. Anonymous est l'avenir. Anonymous est un monde meilleur. Pour citer Charlie Chaplin, je ne veux pas ni conquérir personne, que je voudrais aider tout le monde, si possible. Juifs, gentils, hommes noirs et blancs, nous voulons tous aider les uns les autres. Êtres humains sont comme ça. Nous voulons donner le bonheur de l'autre, pas par la misère de l'autre. Nous ne voulons pas haïr, ni humilier personne. Dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde. Et la bonne terre est riche et peut prévoir tout le monde. Un mode de vie peut être beau et libre, mais nous avons perdu le chemin. La cupidité a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine et nous fait sombrer dans la misère et les effusions du sang. Pour ceux qui peuvent m'entendre, je dis, ne désespérez pas.
le malheur qui est surnommé que le produit éphémère de l'amertume de ceux qui craignent la voie du progrès. La haine des hommes passera, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Unissons-nous tous, luttons pour un monde nouveau, un monde décent, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui va donner un avenir aux jeunes et à la vieillesse la sécurité. Luttons pour un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront au bonheur de tous les hommes. Au nom de la démocratie, nous devons tous nous unir. Anonymous a infiltré et ont proliféré à chaque pouce de la terre, pénétrant l'esprit des plus jeunes et se enracinant fortement dans l'esprit des sages. Nous sommes partout, nous sommes tous, nous sommes l'avenir. Anonymous est une idée et les idées sont imparables. Le savoir est libre. Nous sommes la 6e Légion du Phénix, au cœur du dragon étoilé. Nous qui mystiques nous sommes, les 12 légions du Seigneur des Éternels des Armées. Nous sommes arrivés pour vous retirer tout pouvoir. Nous serons les premiers, nous engageons à être votre châtiment, au jugement dernier. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, comme les dragons de feu d'Hadès qui sortiront du Tartare. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes 12 légions des myriades, de myriades. Nous jurons. Je suis qui je suis celui qui est.